Corse. Hein? C'est moi. Normal, c'est moi qui l'ai tué. Non, c'est mon corps. Vous m'avez tué. Oui, je vous ai tué. Hier soir, plus précisément. Avec ce flingue, parce que je me suis dit que tous les tueurs de films d'horreur, ils vont au couteau, c'est un peu débile, pourquoi pas au flingue. Ouais, j'ai mis un petit silencieux et puis j'ai fait plouf. Ouais, je vous dis aussi que j'avais une petite douleur au prix du poumon. Et du coup, on fait quoi? Ouais, je sais pas. J'ai mes verres à enlever votre corps. Ouais, parce que j'ai un petit peu mal, attention, j'ai mal ici, attention. Alors. Vous êtes malade hein. Ah, ici. On commence. Attends. Ouais, j'ai pris du poids, j'avoue. Oh, lâchez. Avec nous ou quoi? Ok, vous êtes viré. C'est très, très, très méchant. D'où vous me virez, vous êtes la victime. Non, mais vous êtes... C'est moi qui me vire. C'est moi qui te vire. Putain. Cette fois-ci, reste ta mort, pédé. Ah, ça pue la chatte ici. Oh. Bonjour, il y a 4 jeux tous les mois gratuits, voilà. Bon, bah, par contre, tu vas te refermer le truc. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin. J'espère que c'est bien cadré, j'ai l'impression que c'est un peu penché, mais c'est dur, je sais pas pourquoi ça se penche, hein, cette cam. Et tout, c'est chelou. Ouais, c'est qu'avec cette cam, avec l'autre, ça va. Hein. Mais avec cette cam, ça penche un peu. Hein. Un peu beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça va. Et là, on se retrouve, il y a une mise à jour, hein, qui est... On se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Far Cry 2. Eh oui, je vous l'avais promis, je vous en avais parlé. Et j'ai aussi une surprise, je vais reprendre un de mes vieux let's play que j'avais mis en pause. Voilà, vous voyez, il y a la jaquette là, wouh! Un vieux let's play que j'avais mis en pause, à vous de deviner lequel c'est. Ça va venir là, ça va être rigolo. Allez, je vais vous donner un indice, le nom est similaire à un jeu que j'ai terminé dernièrement. Voilà, ça veut pas dire que c'est de la même série. Mais le nom est similaire. Non, c'est pas Far Cry. Comment ça? Mais j'ai même pas commencé le Far Cry. Ah si, j'ai commencé le 4. C'était juste pour la fin des connes, hein, le 4. Je sais pas si je le ferai un jour, honnêtement. Je vais vous faire Far Cry 2 parce que j'ai envie de le faire. Parce qu'a priori, c'est l'un des Far Cry les plus réalistes. En termes de dégâts, de maniement d'armes, d'explosions, de plein de trucs. Ce qui en fait peut-être un jeu beaucoup plus chaud, de ce que je m'en rappelle, c'est vrai que je crevais très facilement dans le jeu. Ouais, parce qu'après, c'était plus ça niveau réalisme, hein. Ça veut dire tu te balades dans les herbes, elles bougent même pas, tu vois, les explosions font même pas voler le décor, c'est... Ah ouais, on peut plus tirer à travers les palissades, les trucs comme ça, les objets sont moins destructibles. L'effet du soleil n'est pas le même. Et il y a plein de trucs. L'IA est plus conne. Oui, ça c'est vrai, par contre. Et donc on va voir. Et ce jeu se déroule en Afrique, bien sûr. Allez. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, je sais plus. On va voir. Alors, il y a les options. Ah, je me rappelle, j'avais fait tellement de cartes. Voilà, je vais partager. Ouais. Ce sera mieux que Resident Evil 5, ça c'est clair. Hein. En jeu qui se déroule aussi en Afrique. On va mettre en facile. Oui, non. 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 Sérieux, j'avais mis Halal. J'avais déjà un humour à la con. Oui, je suis Halal. Il avait pas sauvegardé? De toute façon, j'ai rien changé en fait. Hein. Il n'y a qu'un volume général. Ok. Yetset, c'est les Wallaï, Oulou. Mais c'est Black Panther, bord, dis donc. Black Panther, le film le plus raciste que dernièrement. Ah, honnêtement, j'ai senti plus de racisme envers les Noirs
dans ce film que dans d'autres. Mais par exemple, franchement, c'était rigolo. On va pas continuer, on va faire une nouvelle histoire. On va faire en mode. Alors. Oui, en mode légende. Je suis une légende. Donc, ah, on pouvait choisir plusieurs personnages, je m'en rappelais même plus. Naturalisé américain, lieu de naissance Sao Paulo, Brésil, Mati Alenka. Bah si, il y a des œufs de noisettes, je peux même les manger. Corps des Marines des USA, non, non, il est américain, je veux pas. Il y a que des Américains, s'il y a que des Américains, ça va être un peu plus dur. Hein. Je veux pas d'Américains, gens de sécurité privée, hein, en République Dominicaine, Équateur, d'accord. Ok. Albanais, Kosovar. Ah, c'est Papy! Oh, Papy, il me plaît déjà mieux. Bonjour, tu es de l'armée, Yougoslav, garde du corps, routier. What? Soldat de l'armée de libération du Kosovo, mais sérieux, Papy, hein? Oh, je dis 48 ans, mais tu t'en fais plus. C'est la moustache et cheveux blancs, gris, hein. Ça aide pas, ça te. Tu te prends un coup de 20 ans dans la gueule. T'as pas idée. Un Israélien, tu sais, juste pour foutre le bordel. parce que dès que tu mets un Israélien ou un Palestinien, tu peux être sûr que ça va foutre le bordel. Tu mets les deux, c'est sûr que ça va péter. Budapest, Hongrie. D'accord. Caporal dans les forces israéliennes, le traité. D'accord, 34 ans. Maurice. Sérieux, il vient de l'île Maurice. C'est Corvan Hissing, commissaire adjoint dans les forces mobiles spéciales, retraité, instructeur des unités CRVG1 du Kenya. Revient à Darfour. Lui, il vient de l'île, de Port-Louis, à l'île Maurice. Ah, il y a un gars de chez nous. Ah, un haïtien. Bah ça fait bien, Port-au-Prince. Agent privé à Nanibi, rebelle. Haïtien. Oh, lui, ça pourrait. J'hésite, franchement, entre Papy, truc. Je prendrai pas les Américains, c'est clair. C'est moi, il y a que des. Là, on vient de passer trois mecs qui viennent de coins français ou qui ont été sous l'occupation française. Hein, Non, De Gaulle dirait c'est la France, l'Algérie. Mais tu vois le genre. Bien que dans leur CV, tu vois qu'ils ont bossé ailleurs que dans le truc, mais voilà. Algérien. Ah, un néerlandais. Putain, il y a combien de persos? Irlande du Nord, IRA. Ah, toi, t'as un bon CV. IRA. Terroriste. Je suis terroriste. Bonjour. Zhen Yongmen, il est chinois. Contrebandier, informateur de l'agence. Ok. Bon, on a fait le tour de tous les personnages. J'hésite. Ah ouais, je dois avouer, là, j'hésite. Hein. Allez, on va prendre André, Hippolyte en plus, il s'appelle Hippolyte, vas-y. On va lui laisser une chance. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans les survivants, si on en fait crever un, on en incarne un autre. Tu vas débarquer jusqu'à que tu les aies tous épuisés comme un con. Je redécouvre, hein, parce que le jeu là, hein. Tiens à vous le dire. J'ai rejoué à Hitman dernièrement pour avoir tous les costumes et espérer pouvoir refaire des contrats. Bien que je préfère le mode contrat de Hitman TM, hein. Celui-là, c'est pour faire plaisir à Steve quand il repassera. Quand il repassera, hein. Vu qu'en ce moment, il est en train de prendre sa retraite sur Ion. Ok, on est parti. Monsieur, désolé pour le retard. Moi, ouais, t'en vas, j'ai pas de problème. On va à l'hôtel à Palar. Voilà. Non, plutôt comme ça, le haïtien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Non, problème. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la mula. J'entends rien! Coupe le moteur! Coupe le moteur, là! On t'entend pas, même la canne basse, elle t'entendrait mieux que moi. Je pense que je vais vite arrêter l'accent, hein. Parce que ça me saoulait. C'est quoi cette merde sur la route? Wow! Oh là, mais je l'avais donné nada! Bonjour, maintenant ici c'est l'anarchie. Ouais. Écrase les gens! Écrase! Ce sont des infidèles. Ouais, les bébés, les. Tout le monde pense que les avions
pour revenir. Et qu'est-ce qu'ils en savent? Ça passe, Safari. Eh, belle caisse. Il y a des animaux, moi, dans ce jeu? Parce que Far Cry, j'avais l'habitude des animaux, hein. C'est toi qui tapes du tambour sur ta tam-tam? Attends, non, c'est moi sur les jambes. Là, il... Oh, on peut voir son corps. Ah bah, il y a des chèvres, au moins. Et des buffes. Bah, bah, ouais, j'ai fait chèvre en troisième langue. Et buffe. Buff 36ème. Non, mais... Tu crois qu'on peut voir le rocher du Roi Lion comme dans une Uncharted de 4? Regardez là, c'est la saison sèche. Le feu dévore tout. Il se répand comme un virus. Mon frère, vous avez une jolie maison avec une grange et trois têtes de bétail. L'homme riche, d'un coup de pouce, a tout détruit. Maintenant, il a quitté le pays. Il reviendra. Je crois que t'es en train de m'enseigner les mécaniques du jeu. Si on dit la vérité à ceux qui la cherchent, et cette vérité c'est que votre pays a besoin de vous. Pourquoi c'est pas sous-titré? C'est une calamité. Un fléau s'est abattu sur notre magnifique pays. Attends, c'est dur là. Il y a une carte. Ils aiment pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. Et voilà, ça va, c'est une voilà, ben, n'est-ce pas, c'est une voilà, 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 c'est rentre chez toi, toi aussi là. Le seul vrai c'est lui là-bas. C'est raciste ça, monsieur. T'as un problème, petit blanc là? Blancos? Je crache sur ta mère, sur tes ancêtres. Voilà. Les étrangers. Ouais, je sais. Ces milices, elles sont venues chez nous, elles ont tout pris et il nous reste plus rien. Même pas la femme, les enfants et tout, voilà. Ces étrangers, ils nous volent notre travail, putain. T'aurais dû voir l'autre fois, il y avait un Américain, il est venu chez moi, il m'a pissé dessus. C'était, oh là 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 là. Tout ça parce que j'étais payé au SMIC, moi, et pas lui. Il y a beaucoup de troupes en ce moment. Et c'est bon, est-ce qu'il y en a les gars en général? D'accord. J'ai pas vu les panneaux. Vous êtes sûr que vous m'amenez au bon endroit? Ça se trouve, vous êtes un tueur en série très connu dans le coin. Vous êtes peut-être Himbala, le charognard. Celui qui bouffe les intestins de ses victimes après avoir versé du sirop de tout. Vous savez comment c'est? Ouais, la jeunesse, c'est des petits cons. Hein, ils crament les bagnoles, hein, ils caillassent les pompiers, ils insultent les vieilles dames en leur foutant des coups de boule. Tout le monde cherche à quitter le pays. Faut être fou pour rester ici. Fou, chauffeur de taxi. Ah, ça y est, j'ai contracté la malaria, je vais mourir. Bon. Oh putain. Et voilà, on est arrivé. Et on a un seul morceau. Monsieur, ça va? Vous avez pas l'air bien. Fatigué? Toi le mec. Allez, on descend, et ça, il s'en fout, je suis en train de tomber dans les pommes, l'autre con là. Hey, monsieur, faites un peu d'effort, hein. Il me soulève, il me pousse. Besoin d'aide? Ok, j'y vais. Alors, mais j'ai pas eu le temps de noter l'adresse, merde. Alors j'ai eu besoin de 5 minutes pour sentir le malaise du... J'ai même pas eu le temps de lire.
Il faut juste que je sais que je dois tuer un chacal. Et il y en a plein des chacals dans ce pays. Des chacos ? On dit des chacals ou des chacos ? J'ai mal au bite. C'est ma constipation qui me revient. Vous êtes qui, vous ? Vous n'avez pas une tête de chacal. La présence de la cible dans le pays continue d'être une influence déstabilisante. Il est en grande partie responsable de l'entrée récente d'armes dans le pays, en violation avec le programme d'union des signataires. Sa réputation de dangereux marchand d'armes est amplement méritée. Les ordres sont de l'éliminer. Oui, éliminer. Et c'est toi qui es malaria. Tu pourras me dire que t'as essayé, mais ça suffira pas. Hein. T'es viré, t'as eu ta chance, mais maintenant c'est fini. Puisque les hommes comme toi travaillent que pour l'argent, t'es plus un problème pour moi. Je vais devoir trouver autre chose à faire maintenant. Tes anciens clients ont pas l'air de comprendre qu'ils peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis ? Personne peut me tuer, personne. Parce que t'es la mort ? C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul. Dieu ? Tu sais, j'ai lu un livre... Papa ? J'y pense encore chaque jour. Ça m'aide à comprendre la vie. Le livre parle des hommes, de ce qui les motive. C'est très simple, en fait. L'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance. La vie serait vouloir et pouvoir, rien d'autre. Ouais, Soussoun. Ah, mais il a l'air sympa ce type. Je veux qu'il devienne mon meilleur ami, je veux le retrouver. Je veux qu'il devienne ma waifu. Le pourquoi le ventilo s'est arrêté? Merde, mon journal. Je crois que ça va pas quitter la ville. Attends, je saute. On va copier. Oh putain, un pilon. Alors on a la barre de PV1 en bas à gauche. Putain, c'est quoi, c'est la guerre civile? Est-ce que le chauffeur taxi il est vivant? Moi je crois que je vais quitter. Moi je vais me barrer. Ah, on me dit de quitter la ville, moi je vais la quitter. Hein. Je sais pas où je vais, je sais pas qui je suis, mais je m'en vais. Putain, c'est encore Lina Inverse qui vient de faire tout péter avec un Dragon Slave. Je vois vraiment le truc Dragon Slave. Bon, moi je m'en vais. Eh, mon objectif c'est de quitter la vie, hein. Je pense que je m'en sors bien pour le moment. J'ai appuyé sur Y, j'aurais pas dû. Mon Dieu, c'est des Africains du Sud. Oh, des zèbres. Mais ils sont mignons, les petits zèbres. J'ai besoin que de 5 minutes pour sentir les zèbres se frotter à ma jambe. Donc ce mec a armé deux camps. Faut voir comment ça se passe. Alors, le conflit a été une brève, quel embargo. J'ai mal. Putain, merde. Ah, mon bracelet est toujours là. C'est mon bracelet porte-bonheur. Tu ferais bien de t'administrer les premiers soins là-dessus. Dessin à la dernière fois, vous êtes mortellement atteint de vous soigner pour ne pas mourir. Attends, j'enlève ça. Putain de merde. Qui est propre ? Tu as un problème pour moi. Avec qui tu travailles ? À l'hôtel, certains de mes hommes sont morts à cause de toi. Tu penses que tu peux travailler pour moi maintenant ? Alors trouve-toi de l'équipement, on a des munitions et des médicaments et des armes autant que tu veux. Alors, tu me parles pas comme ça, sinon j'ai juste envie de... Voilà, la vis bleue. Je vais essayer devant pour sauvegarder. On peut... Ah, c'est comme ça qu'on sauvegarde. D'accord.
Ah, drôle de système de sauvegarde. Hein. Bonjour. Je pensais que c'était une trousse de soins, moi. D'accord, on sauvegarde avec une valise bleue. Alors voilà. Vous pouvez porter 3 armes en plus de votre machette. Fusil sniper, arme principale, arme secondaire, arme spéciale. Vous pouvez porter une arme de chaque type, vous pouvez améliorer votre. Oh, mais c'est sympa. Pour prendre des seringues dans le kit médical, appuyez lorsque vous êtes placé devant. Il est où le kit médical? Elle est dans la brouette, c'est ça? Ah, c'est là. D'accord. D'accord. Après, votre santé revient à 100%. Ok, attends, je vais me piquer un petit coup. Bordel, il devait y avoir un cessez-le-feu, mais ça n'arrivera pas. Je travaille avec un type du coin qui s'appelle Kwasi. Il s'occupe des gros bras de la PR. J'ai envoyé mes meilleurs hommes sur le terrain pour essayer d'empêcher l'UFLL de déborder sur ma zone. J'ai rien suivi. Désolé, mais ça fait de toi mon auxiliaire. Les méchants, c'est l'UFLL ? La mission de la journée, ce sera de bricoler cette rouille à deux portes. Tu t'y connais un peu en mécanique. Va voir si tu peux faire quelque chose pour redémarrer le moteur. Occupe-toi de ta mission, t'es malade. T'as pas le temps de te promener. Garde ! Oh, déjà, on me dit s'il te plaît. Parce que sinon, je peux revenir en sortant une arme. Non ! Ouvre la porte ! Bon. J'ai un Colt. Pour afficher votre objectif actuel, le lieutenant m'a demandé de réparer le véhicule. Le journal. Maladie, niveau 5 extrêmement, force vive, les convulsions sont constantes, j'ai peur d'y passer. D'accord, donc il faut que je soigne ma maladie, je pense. Personne ne me connaît ici, je ne suis que... qu'un gros costaud armé de plus, je vais changer tout ça. Je n'ai eu... ouais, il n'y a pas si longtemps, conflit, quand chacun s'est montré dans le coin avec un socket de CK, un décoché de soutien. Ça a déclenché un... je serais pas surpris qu'il y ait... Ça se trouve, c'est vraiment lui le grand méchant, et c'est pas les deux camps. D'accord, donc on a des armes, on a le Homeland 37, le Spaz 12, l'USAS 12... Oh, on a même l'USAS 12, ouh, ça c'est cool, c'est le fusil à pompe automatique. La K-47, la RT, la MP5... M1939. Oh, on a plein de trucs sympas dans celui-là. D'accord. Le K7 du chacal. On a des trucs à retrouver de sa part. Mission de partenaire, mission principale, objectif de la résistance, mission disponible, PC de résistance, PC de la PR, PC de l'UFL. Donc ça, c'est les deux camps. Ok. Là, je suis avec la PR. Mais si je peux aider les deux camps, on verra. On verra. Moi, j'offre à celui qui me fait du fric. Hein. Voilà. Et le vrai problème, c'est le chacal, c'est lui qui fout le bordel. Donc si je veux écouter ma conscience, voilà, ce serait d'éliminer lui. Mais il a l'air sympa, j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce que je... Comment je vais m'en sortir? Ouvrez le capot. Alors, la carte. Ok. D'accord. Ok, ça marche, merci. Vous déplacez, oui, ça j'avais vu. Hein. Bon, par contre, c'est en mode tank contrôle là. Hein. Ça veut dire qu'on peut pas trop se déplacer sur les côtés hein, quand on fait ça. C'est un peu chiant. Mais on va faire avec. Alors, la besoin de réparer. Faut du moteur pour le réparer. Alors, un petit coup de cric. Voilà. Et je lui fous un petit coup ensuite. Juste pour être sûr que ça fonctionne bien. Et puis ça devrait aller. Hein. J'ai toujours fait ça pour au prince. On m'appelait le ferrailleur, tellement je réparais des trucs. Ouais, allô? Ok, super. Maintenant t'es mobile, voyons un peu si tu peux t'occuper de quelque chose qui riposte. L'UFLN a un petit avant-poste à un demi-clic au nord d'ici. Maintenant que les hostilités ont repris, je veux plus les voir là-bas. Débarrasse-moi d'eux. Ok. Faut que j'aille où? D'accord. D'accord. On va essayer d'y aller. Pied longuement pour accélérer. Changer mon conducteur. Bonjour. Ah, j'aime bien déjà l'ambiance. Hein. T'imagines si Resident Evil 5 a été comme ça. Hein.
Je me rappelle encore le truc dans Resident Evil 5 que t'aurais pu souffrir de maux de soleil, mais c'est dommage que ça n'a pas été fait. Ouais, parce que quitte à faire un jeu d'action, autant y aller à fond, hein, et ils auraient pu faire ça. Bon là, je vais sortir par contre. Parce que je... Faut pas que... Et normalement, il y a des effets sur les différents trucs, par exemple, voilà, les buissons qui se couchent. Ça, c'est sympa. Alors... Où est-ce qu'ils sont, ces cons? On est d'accord que je me suis pas planté, on est... Attends. Ah, il n'y a pas de meilleure carte. Bonjour. J'aime bien l'effet de la main qui ramasse le truc. Parce que moi, j'aime bien le parti pris réaliste du truc, ça change. On va dire un peu. Non. Vous n'avez pas entendu, je suis du blé. Je sais pas viser. Il est mort. Je vais récupérer la grenade, appuyer sur la rue pour l'envoyer. D'accord. C'est juste pour être sûr. Hein. J'ai un fusil à pompe, mais je préfère garder le truc au moins. Ils sont où? D'où il m'a vu? J'étais caché! Ça va, il y a quand même une visière un peu automatique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'amasser des armes, fais pas chier. Mais il y avait que deux gars. Oui? Tu disais quoi? Je viens de récupérer une arme. Va piquer quoi? J'ai pas très bien compris. Bon bah je vais ouvrir. Hein. Enchanté, bonjour. Les plans pouvant être améliorés en travaillant avec vos partenaires, c'est là que vous retrouverez vos partenaires, parler avec eux, ils vous aideront. Vous n'avez pas de partenaire, vous êtes nul. Vous êtes doté de grenades, vous pouvez passer de là, grâce. Hmm. Pas très bien compris. Monsieur Is, c'était la gâchette, hein. Enfin, c'était les joysticks. Vous devez acheter des caisses spéciales, vous devez acheter des caisses principales, vous devez acheter des caisses secondaires. Mais qu'est-ce que je dois arrêter de me dire d'acheter des trucs? Ouais, pour régler l'heure. Ok. Moi, je vais faire un petit dodo. Ah, ça va mieux. Sauvegarder et continuer. Oui. Je sauvegarde un petit coup, quand même. On va faire deux sauvegardes. Hein. Juste pour être sûr. Ah, bah, le jeu commence... Les vidéos dureront, je pense, entre 30 et 40 minutes. Hein, pour ce let's play. Alors, il y a des photos. Il y a un mec avec un bonnet. Je pense que c'est Jackson Hunt. Alors, il y a un groupe de rock féminin en bikini avec une jupe. Il y a Joseph Manfredi, là. Qu'est-ce que je sors des noms au pif. Ouais, allô? J'ai besoin que tu partes en éclaireur vers un camp du FLL au nord de notre position. C'est un ancien abattoir. Les cadavres sont toujours là. Les cadavres de leurs hommes et de leur arsenal. L'endroit est marqué sur ta carte. Allez, file maintenant. Ok. La carte me dit quoi? D'accord, ouais, c'est au-delà du pont, il faut que j'aille retrouver juste ma voiture, si on me l'a pas piqué. Bon, j'espère juste aller bien. Ah, allez, bon. Ah,
Putain, c'est pas facile tous les jours d'être mercenaire, hein. Je voudrais vous y voir, hein. En plus, on est sous-payé, on dirait l'acteur principal dans Green Arrow, hein. Le mec qui a du mal à manger, à faire vivre sa famille, alors qu'il se fait exploiter. Moi, c'est exactement ça. Ah putain. Plutôt de lancer la... Ouais, le chemin de traverse. Il est où le chemin de traverse? Ouais, bah j'essaye de faire discret, monsieur, mais c'est pas facile avec des mecs qui ont des yeux de lynx comme eux. Ah, ça me rappelle. J'ai vu la bande-annonce du niveau de jungle de Hitman, ça a l'air génial tout ça. Lorsque vous avez pris votre carte, vous pouvez appuyer longuement sur un petit. Et vous ciblez les éléments du camp pour chercher. C'est là le camp? Ok. Alors, vert, vert, vert. Il y a des panneaux, hein, des propagandes du machin. Voilà, je prends des petites pictures. Alors, il y a un mec qui se promène. Quoi? Putain, c'est pas le moment, merde! Hé, hey, on a reçu des renseignements. Ça se présente bien. Tu vois cet immeuble condamné, là? Il paraît que le FLL y fait quelque chose en otage. Un étranger, comme toi. Tu vas rentrer là-dedans et nous faire une petite libération. Détective enquête et occupe-toi de ça. Mais il est chiant. Bon, moi, j'étais quoi en train de faire, là? Ouais. Bon, alors le monsieur là-bas il s'éclate bien. Il se carre autre chose. Il y a des panneaux. Il y a Slaughter House. Il y a Pala. Il y a le Four Highland. Mais je pense pas que ça me sert vraiment à quelque chose en fait. Bon, je pense que j'ai tout vu là. Alors je sais que cet endroit normalement je l'ai jamais passé. Bonjour. Non, je ne suis pas bizarre. Ils sont où ces PD, je les vois pas. Je pense que c'est dur dans le jeu. J'ai du stress. Vous n'avez pas idée. Je sais pas si on peut taper au corps à corps. Ouais, comme ça. Je sors ma machette, comme ça je vais les tromper. Pas de crème, fils de pute!
Vite, moi je cours, maintenant je fuis. Vous êtes où les cons? Je me soigne un petit coup, une petite piqûre. Tout va mieux. Ah putain. Et le jeu. Putain, il y a des jambons. Voilà, vous êtes morts. Bon, je crois que j'ai fait un bon nettoyage. C'est assez chaud, hein, quand même. Hein. Bonjour, alors. Tu es là? J'ai la malaria. Je suis malariaman. Je ne vois rien, par contre, je ne sais pas où vous êtes. Je vais sauvegarder un petit coup. Je ne sais pas où vous êtes, je vais sauvegarder. Alors, on en est à combien de pourcents? Qui me parle? Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Bonjour, bon, attends, je vais te libérer, salut. T'as fait tout ça? Où sont les gardes? Ça, c'est une vraie malaria. Ah, vous avez un partenaire maintenant qu'en mission, votre partenaire préféré vous contactera pour vous proposer de... Ah, d'accord, donc on choisit qui c'est qu'on incarne, mais par contre, les autres qu'on n'a pas pris sont présents dans le jeu en tant que partenaire. Et donc là, on a Papy. Maintenant, on se sépare. Et ensuite, on se retrouve au bar chez Miles. Je connais quelqu'un qui peut te donner des médicaments. D'accord, Papy. Toi, tu seras mon préféré, mon best, hein. Bonjour, bonjour. Allez, on va aller chez Mike. Bon. Bon, moi j'y vais. Oui? Allô, chérie? Bon travail. Je t'ai peut-être jugé un peu vite. Je vais te dire un truc. Chez moi, les gens qui bossent bien sont payés en conséquence. Retourne à l'arène et on trouvera un arrangement. Allez, c'est parti! Je suis gros. Ah, je vais pas très bien. Ah, putain de merde. Bon. T'es par là, je pense. Putain, ça a pas la carte, hein. Bon, visiblement, on aura des coins plus désertiques, je pense, parce que là, on est surtout en mode un peu plus ça va. Okay, bon, bref. Ça, c'est la voiture, je voulais la récupérer. Je pense que je vais retourner à la planque et puis on va sauvegarder. On verra. Qu'est-ce qu'on a sur la map? Ah, on a la tente. Ah, bah on s'en sort bien pour le moment. J'ai réussi à aller plus loin que quand j'avais joué la première fois. J'étais nul, hein. Je le suis encore un peu. C'est la même voiture? Ouais, mais elle est verte. Et j'aime pas le jaune. Et là, elle commence à me poursuivre en mode Christy, la vagnolantée, quoi. Alors, c'est comme ça que je traverse les champs. Ah, je suis arrivé. Eh, ça vous dit un petit feu de forêt, là? Eh, j'ai... Regardez, c'est rigolo. Eh, regardez, on va pouvoir se chauffer au bois. Je crois que j'ai un peu merdé. Ouais. Je crois que ça va être un peu chaud, là. Voyez, les gens. Un seul cocktail Molotov et ça peut vite partir en couille, hein.
Bon, on est bien d'accord que Far Cry 4, 5 et compagnie peuvent aller se rhabiller au niveau effet du feu. Hein. Regardez, les arbres sont même calcinés, quoi. Même ça, ils sont même pas foutus de le faire. Voilà. Voilà. Pouf. Attends, on va tester un truc. Regardez, je peux même couper les branches. Voilà. Parce que là, moi, j'ai fumé. Alors. Et attends, on va réessayer. Peut-être pas avec ça. Attends, on va essayer avec autre chose. Parce que je sais que normalement, on peut y arriver. Voilà. Ça, c'est classe. Testons autre chose. Voilà. La réaction. Putain, c'est trop classe. Bon, alors, on retourne au QG. Bonjour. Comment on personnalise nos trucs, au fait? Ouais, mais où est-ce qu'on achète? Parce que, putain... Merci. Pour des grenades, j'en ai déjà trop, en fait. Voilà. J'ai un projecteur. Au secours. Bon, on dort un peu. Voilà, comme ça, il fera nuit la prochaine fois. Ouais, on sauvegarde. Hein. Nous sommes à 1% du jeu. C'est déjà bien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Bye, 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 bye.